Propose de passer la parole à M. Pierre Brun pour la remise gracieuse sur la taxe locale sur les publicités extérieures pendant la phase de confinement au bénéfice des entreprises qui sont assujetties. Oui, Pierre Brun. Merci, Monsieur le maire. Je suis là. Je vous ai perdu, excusez-moi. Donc, vous avez déjà dévoilé le libellé. Un petit peu de contexte. En fait, il y a eu une délibération le 18 mai dans le contexte qu'on connaît, hein, du Covid. Qui portait sur les actions de la ville pour lutter contre les effets de la pandémie et qui prévoyait la suspension de cette taxe. Et aujourd'hui, il s'agit de voter une mesure de remise gracieuse, hein, au bénéfice de ces entreprises qui sont redevables de cette susdite taxe au titre de l'exercice, bien sûr, 2019. Hein. Alors c'est important de voter cette remise gracieuse parce que effectivement ça permet d'éteindre la créance et sinon ça pourrait être considéré comme une dette. Hein, donc c'est juridiquement effectivement important. Cette mesure, elle va permettre à quand même 166 entreprises, hein, sur le sol chambérien, de bénéficier de cette remise qui correspond en fait à 17% correspondant évidemment à la durée du confinement. Donc le montant global s'élève à 79 322,35 €. Voilà, donc les conclusions suivantes, je vous les lis. Le conseil municipal admet en remise gracieuse la somme de 79 322,35 € au titre du budget principal, le détail des redevables et des montants remisés figurant dans l'annexe que vous avez dû voir dans votre dossier. Autorise le maire ou son représentant à signer les mandats correspondants et dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2020. Merci, M. Brun. J'imagine qu'il n'y a pas... Tout le monde est d'accord pour soutenir les entreprises par cet allègement de taxes qui va représenter 17% du montant de la TLPE sur l'année. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous en remercie.